Ma soeur Kylienne, je t'ai toujours dit, tu es une petite soeur que j'aime beaucoup parce que tu n'es pas méchante. Et toi, Kylienne, je t'ai toujours dit que tu as trop d'émotions. Tu n'es pas méchante. Tu avais dit que, oh, les Camerounais, vraiment, ne veulent pas marcher. Si vraiment, ils ne défendent pas Bruno Bidjan, toi, tu ne parles plus les affaires du Cameroun. Ok. Bruno Bidjan est à Konengi là-bas. Ne parle plus les affaires du Cameroun. Ne parle plus les affaires du Cameroun. Laisse comme ça. Les Camerounais sont des peureux, des aigris, des sous. Ne parle plus l'affaire du Cameroun. Soit ça. Soit. Je t'ai dit que où je suis, c'est en souci. Je suis prêt à te payer. Il est venu en prison. C'est même plus la cellule, maman. Je suis prêt à te payer le bien. First class. J'ai même vu, il y a beaucoup de gens qui disent que ton séjour sera payé. Ton hôtel sera payé. Tout. Tout sera payé. Tu ne peux pas au Cameroun. Tout ce qu'on te demande, c'est de te mettre, tu mobilises pour la sortie de Bruno Bidjan. Tu pars au Cameroun, tu organises une marche. Tu appelles les Camerounais. Si tu appelles les Camerounais pour marcher pour Bruno Bidjan, si vous êtes 20, moi là, je te donne 100 000 euros. Si vous êtes 20, si tu réussis à mobiliser 20 en nom de sa famille, parce que même son propre père est assis, hein, on ne l'a pas entendu parler. Son propre père à qui on a remis la Mercedes l'autre jour là, devant nous, que oh, papa, voici la clé. Maman, même lui n'est pas sorti.